Mec, ton drone me rappelle tellement de souvenirs. C'est mon terrain d'entraînement secret. Enfin, c'était quand j'étais dans l'équipe d'athlétisme. En fait, je me disais que j'allais peut-être reprendre la course. Tu sais, quand on s'est battu dans l'autre monde, ça m'a fait super bizarre. Je rêvais plus à bouger comme avant. C'était pas terrible. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne du muscle. Ce sera toujours mieux que ces cordes fragiles, pas vrai? Puis comme As, je pourrais t'aider un peu plus aussi. Bah, que tu veux? Je sais pas, mec, genre, vaut mieux courir que guérir. On te l'a jamais faite, celle-là? Bref, tu fais comme si j'allais être le seul à ta fille ici. Mais tu vas t'y mettre aussi, mon gars. Waouh, fais pas genre t'es choqué. T'as cru que je t'ai fait changer, pourquoi? Ça sert à rien si je suis le seul à aller super vite, non? Bon bah, je vais faire quelques montées de genoux. Toi, tu peux courir normalement. Mes jambes sont raides. Avant que Moshida se ramène, l'équipe d'athlétisme était vraiment la meilleure chose que cette école pouvait avoir. Mais tout a changé quand elle a fait virer notre coach et a pris le poste de remplaçant. Ce bâtard! Depuis le début, il voulait se débarrasser de nous. Il arrêtait pas de nous donner des séries de malades. Et quand on n'arrivait pas à les finir, il en rajoutait plus! Chaque jour, c'était la même merde! Il en avait particulièrement après moi. Il savait que j'étais le genre de gars à pas me laisser faire. Si mon temps dropait juste un chouïa, il allait m'engueuler. En plus, il parlait mal de mes darons. En vrai, j'ai plus que ma daronne. Mon père faisait quand il était encore là, c'était picolé. Des fois, elle allait même nous tabasser, ma mère et moi. Je sais pas comment ce bâtard de Kamoshida a trouvé, mais il a raconté à toute la putain d'équipe. Tu peux deviner la suite. Ça m'a saoulé, j'en ai collé une. Par contre, je te jure, il attendait que ça. Il appelait ça un acte de violence. Il a dissous l'équipe. Grâce à ça, les autres gars de l'équipe me voient comme un traître. Mais ils ont pas tort en soi. À cause de moi, ils ont manqué leur chance au championnat. Il y a un peu de oui et un peu de non. Oh, me pose pas ce genre de questions compliquées, je suis pas très smart, tu sais. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Tout ça, c'est dans le passé. Je pense qu'au futur maintenant. C'est ça, on va se créer un futur. Faut rester positif, mon ref.